Les paris minants. Validé. Les voilà partis pour cette avant-dernière étape de l'après-midi. Un cross, le prix Litre et Marché, le prix Murphy sur la distance de 2100 mètres. Et c'est le 2 Pierrot Rosemary qui s'est tout de suite en parallèle du commandement avec Jamaïcaine des Vallons qui vient en seconde position. Cohen, Strasel, Dazel est plus que des cordes avec Cosmar Pell, Arielich, Coffee qui n'est pas loin du tout. Cohen, Steiner est à l'extérieur. Varasius est à l'arrière-garde actuellement et c'est le numéro 3 à Défix des Vallons. Kazakh de l'écurie Mustang et Loris Borin qui ferme la marche de ce peloton. Un peloton qui aborde le début de la ligne opposée et toujours à la même impulsion en tête. On va d'ailleurs devant avec Matteo Luis de Vaux qui a toujours l'avantage avec Piran Rosemary alors qu'on vient à l'extérieur avec Cosmar Pell. Qui est là également, Irene Fistabita est au centre du peloton maintenant, le numéro 4, et tente de venir progresser. Les concurrents qui sont dans la ligne opposée, ils vont se diriger vers un nouvel obstacle dans quelques instants, avec toujours la même en place, c'est-à-dire Pierre Rosemary qui a l'avantage avec en seconde position le numéro 4, Irene Fistabita, Jamaïcaine des Vallons est dans le dos des premiers, avec Einstein là, qui est là également, Irish Coffin, Tariavel qui est là également au centre du peloton, l'avant-cosseur Varasius. Strasel Dazel, et c'est toujours le numéro 3. Il est fixe les Vallons qui ferme la marche de ce peloton. Peloton en file indienne qui va aborder une nouvelle diagonale dans le fond de l'hippodrome et va revenir dans quelques instants sur le centre de ce même hippodrome avec toujours les mêmes aux avant-postes. Matteo Luis de Vaux, le numéro 2, et qui emmène le peloton Pierrot Rosemary alors qu'on vient en seconde position, bien calé dans son dos. Au saut de cette nouvelle difficulté avec Irene Fistabita qui est maintenant deuxième dans le dos du cheval de tête. Jamaïcaine des Vallons, Paris de la Kazakh de François Nicole vient maintenant. Troisième position est en quatrième position avec Cohen Steiner qui vient là également et qui se rapproche des premiers. Les concurrents qui sont dans la diagonale avec toujours les mêmes un poste Pierrot Rosemary qui montre le chemin à ses adversaires et ceci depuis le début de l'épreuve alors qu'on vient en seconde position, bien calé dans son dos avec Irene Fistabita. Cohen Steimler est venu se rapprocher significativement en troisième position, juste devant Jamaïcaine des Vallons, qui est là également en quatrième position. Cosmar Varasius avec Irish Coffee, devant Imperiavel et Cohen Strasel Dazel, il défixe les Vallons qui ferme la marche de ce peloton. La concurrence se dirige vers le tournant et l'obstacle de ce même tournant et pas de changement notable en tête alors qu'on a été arrêté avec Cosmar Pell dans le fond de l'hippodrome. La concurrence aborde maintenant le début de la ligne opposée. Pierrot Rosemary qui a toujours les choses bien en main. Kazakh de Sylvain Dehaez, Matteo Dehaez de Vaux-en-Seine avec Irene Fistabita en seconde position. Cohen Steiner, Arthur Marquet en troisième position. Jamaïcaine des Vallons et également au centre du peloton avec Cohen Strasel Dazel qui s'est rapproché à l'extérieur et qui a quitté les derniers rangs pour franchir le fence de la diagonale alors qu'on s'est dérobé avec Pierrot Rosemary actuellement et qu'on est tombé à l'arrière-garde avec la Kazakh portée par Irene Fistabita. Les concurrents passent devant les tribunes et toujours la même impulsion en tête actuellement avec Cohen Strasel Dazel, avec Cohen Steiner juste devant Jamaïcaine des Vallons, Cosmar Varasius aussi des fixes des Vallons, Irish Coffee, Imperiavel sont à distance à l'arrière-garde. Les concurrents passent maintenant un nouvel obstacle et pas de changement notable en tête actuellement avec librement en tête la Kazakh de Cohen Strasel Dazel alors qu'on vient en seconde position maintenant bien collé dans son dos avec Cohen Steiner qui progresse devant Jamaïcaine des Vallons. Il est fixe des Vallons également à l'extérieur avant Cosmar Varasius, Imperiavel et Irish Coffee qui est à l'arrière-garde. Les concurrents sont dans le fond de l'hippodrome et toujours la même impulsion en tête avec librement l'avantage pour Cohen Strasel Dazel qui a l'avantage alors qu'on vient en seconde position avec Cosmar Varasius. Cohen Steiner qui est là également et Défix des Vallons qui va tenter de regagner du terrain. Irish Coffee, Imperiavel sont à distance actuellement. Les concurrents ont franchi la banquette et pas de changement notable en tête actuellement avec Cohen Strasel Dazel qui a l'avantage depuis la mi-course pour se diriger vers la boucle extérieure. Cohen Steiner, Jamaïcaine des Vallons, Cosmar Varasius, Idéfix des Vallons qui viennent également dans ses ordres devant Irish Coffee et Imperiavel qui sont à distance. Concurrents sont sur la boucle extérieure et vont revenir vers le centre de l'hippodrome actuellement. Un peloton qui se regroupe actuellement, même si on a durci l'allure en tête. Avec 4 toujours à les mêmes aux avant-postes, Cohen Strasel Dazel qui pourra franchir maintenant dans quelques instants la dernière difficulté du parcours dans la phase finale. Et librement l'avantage, Cohen Steiner ne l'entend pas de cette oreille. Il va tenter de venir l'attaquer maintenant alors que il est fixe des Fallons, refait le terrain à l'extérieur. Jamaïcaine des Vallons trouve le temps, le long au centre de la piste. Les concurrents franchis la dernière ils sont sur le pas. Cohen Steiner qui est venu attaquer le leader et qui a pris librement l'avantage. Pourtant, 2, 3. Pas de longueur d'avance, Cohen Steiner. Très jolie course montée par Arthur Marquet qui va s'imposer dans cette épreuve. Pour ses couleurs, il est ravi et s'impose facilement. Cohen Strasel Dazel est deuxième, Jamaïcaine des Vallons. Il est fixe des Vallons quatrième, devant Cosmar Varasius, Imperiavel et Irish Coffee.